OK, alors, ça semble fonctionner. Avant de commencer formellement le cours, j'ai eu le goût d'organiser un petit peu votre vie sociale. Donc, j'ai quatre propositions à vous faire. Je pense que c'est des conférences qui sont extrêmement intéressantes, bien conscient que vous ne pouvez pas aller aux quatre, là. Mais d'en choisir une parmi les quatre, ça pourrait être une maudite bonne idée. Surtout si on sait, on est à l'université pour apprendre, puis apprendre bien au-delà de ce qui se dit dans une salle de classe, former des citoyens, ouvrir les horizons. Alors, j'ai vraiment quatre belles propositions à vous faire. La première, c'est celle de démystifier la profession de CPA. Alors, c'est Valérie Morancy, de là, qui va venir vous parler. Ça, c'est jeudi prochain de 15h30 à 17h. Les plus braves d'entre vous, peut-être, pourraient poser la question qu'est-ce qui s'est passé à l'examen CPA avec le logiciel. Mais vous n'êtes pas obligé de poser cette question-là non plus. OK. Alors, les autres propositions que j'ai pour vous sont les suivantes. C'est un petit peu dernière minute, mais je vous rappelle que demain, il y a un 5 à 7. C'est au pavillon La Violette. C'est les gens qui ont vécu l'expérience du CPA sans frontières au Sénégal l'an passé. Les quatre étudiants et étudiantes vont être là avec Nicolas Blais. Et c'est un haut lieu de recrutement et de réseautage parce que c'est organisé par le regroupement des CA Mauricie, Centre du Québec. Donc, ça, c'est une autre belle chose qui pourrait vous intéresser. L'autre présentation ou l'autre conférence qui va avoir lieu, il y en a vraiment beaucoup, c'est tous des propositions intéressantes, à mon avis. La semaine prochaine, c'est mardi prochain, de 15h à 16h, le président de la Banque nationale, section investissement, va venir nous parler de ce que vous avez parlé, sensibilisé au début de la session, la finance comportementale. Je vous avais dit que c'est partout, c'est à la mode, mais il faut comprendre que c'est plus qu'à la mode. À la mode, voulant dire, des fois, ça peut être sans substance, là, sans saveur, mais c'est quelque chose qui est pour durer. Deux prix Nobel, comme je vous ai expliqué, dans les 10 dernières, 20 dernières années, qui ont remporté le prix Nobel à cause de l'aspect comportemental. Alors, ça, c'est mardi, 15h à 16h. Je me suis inscrit ce matin, il restait 54 places ce matin. Donc, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Et la dernière, ben, je pense que c'est la plus prestigieuse, il faut quand même le dire comme ça. Yojoa Benjo va être à l'UQTR, va être à Trois-Rivières la semaine prochaine. Donc ça, il faut vraiment s'inscrire très rapidement parce que les places vont partir, là, ça ne prendra pas de temps. C'est quand ça? Je me suis inscrit à ça aussi. Ça, c'est mercredi prochain de 12h30 à 14h. OK? Puis j'aime ça le dire comme ça, comme si c'était la septième merveille du monde, parce que ça l'est un peu. Qui connaît Yojoa Benjo ici? Soyez honnête, là. Deux, j'en vois deux, trois. Trois, OK. Ce matin, il y en avait zéro. Fait qu'il y en a trois sur 90. C'est correct, c'est l'état de la chose. Il faut faire prendre acte de tout ça. Mais il faut comprendre que cet homme-là, qui est un Montréalais, qui a une chaire de recherche à l'Université de Montréal, c'est la personne, c'est la sommité mondiale sur, il n'est pas tout seul, mais c'est une sommité mondiale de l'intelligence artificielle. Il a remporté avec deux de ses collègues, il n'y a pas de prix Nobel pour l'informatique, mais l'équivalent du prix Nobel il y a deux ans ou l'an passé. Donc, si vous voulez vous faire parler un peu de vision d'avenir, bien, c'est une conférence à ne pas manquer. Alors, c'est ce que j'avais à vous proposer. Maintenant, si on revient plus terre à terre, OK, on va vous parler de DPA sans surprise. OK. La semaine passée, on s'est laissé, je vous ai dit que dans les 5 dernières minutes, ce n'était pas une bonne idée de vous parler de DPA sans surprise. Alors, on se remet juste dans le contexte. Aujourd'hui, on va continuer à se parler d'impôts et d'essais. On va prendre une tangente un peu plus planification. Mais bien sûr, c'est les deux doigts de la... Ça va ensemble, la conformité et la planification. Il y a des éléments qu'on va voir aujourd'hui, qu'on avait déjà parlé la semaine passée, mais on va aller plus en détail dans la question. Mais avant ça, on revient sur quelque chose de très technique. Okay, je vous le dis, c'est technique. Alors, pour vous expliquer la DPA sans surprise, je vais commencer par vous dire que la question du concept de la DPA sans surprise ne s'applique pas seulement dans un contexte de décès, mais que dans un contexte de décès, ça s'applique presque toujours. OK? Donc, ça rend la chose plus intéressante. Je sais que Nicolas Boivin a évacué ce concept-là. Il ne vous en parle pas. Puis c'est correct, il attend là, que je ramasse ça à la toute fin, quand vous avez plus de maturité fiscale, une meilleure compréhension globale. Puis c'est tout à fait correct. Alors, je vous le dis, c'est technique,
Mais ça va s'appliquer à l'examen, c'est sûr, ça va s'appliquer dans un contexte de décès. Parce que je vous dis quand est-ce que la DPA sans surprise va avoir lieu. La DPA sans surprise va avoir lieu lorsqu'il y a la disposition d'un bien amortissable. Ça prend ça comme condition. Condition 1. Condition 2. Ça prend une disposition, une transmission en faveur d'une personne liée. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, il faut que ce bien amortissable-là, qui est transmis à une personne liée, la disposition fiscale doit se faire en bas du coût. OK? Ça, c'est des « et ». Les conditions, c'est des « et ». Ça prend ces trois conditions-là. Est-ce que quelqu'un ici voit que dans un contexte de décès, si j'ai un bien amortissable dans le portrait, un immeuble locatif, est-ce que vous comprenez que la DPA sans surprise va s'appliquer? Faites-le le test dans votre tête. Il y a un décès. C'est un bien amortissable, immeuble locatif. Est-ce que c'est un bien amortissable? Oui, je me suis organisé pour que ce soit un bien amortissable. Deux, est-ce qu'il y a un transfert avec une personne liée? On s'entend que nos héritiers, on est pas mal liés avec, là. Ouais, ça, c'est un test assez évident. Puis troisièmement, est-ce que la disposition fiscale, pensez à celle-là, c'est celle-là qui est un peu plus dure peut-être à saisir, mais est-ce que vous pensez que la disposition fiscale, la vente fiscale, va se faire en bas du coût si on transfère le bien à la conjointe? Est-ce que vous pensez que le transfert va se faire en bas du coût? Est-ce que vous le voyez? Vous voyez qu'il y a un roulement quand on transfère à la conjointe, vous vous rappelez de ça? Si on le met précis sur un bien amortissable, quelle est la valeur de disposition qui ne déclenche pas de revenus quand on est sur un bien amortissable? Est-ce que c'est le coût ou c'est la FNAC? C'est la FNAC. On a fait trois exemples la semaine passée là-dessus. C'est la FNAC. Donc, si je ne veux pas avoir de troubles de revenus, si je ne veux pas d'impôt sur la disposition d'un bien amortissable quand que je décède, je lègue à ma conjointe et la disposition va se faire sur une base de roulement, va se faire à la FNAC. Donc, comprenez-vous que cette troisième condition-là, même si elle est plus difficile un peu à expliquer, est-ce que vous comprenez qu'elle est toujours là dans un bien amortissable qui est légué au conjoint survivant? Elle est toujours là. Donc, ça vaut la peine d'étudier ça parce que ça va se passer. OK? Bon, l'autre affaire qui est importante lorsque vous allez retourner, là, genre un jour ou deux ou trois ou quatre, avant l'examen, vous allez dire, « Ouais, DPA sans surprise, c'était quoi cette affaire-là? Moi, j'ai écouté le tape du match, voir, essayer de me rappeler un petit peu c'est quoi. » Et le point de départ, pour bien le comprendre aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est ça qui est contre nature un peu, contre-intuitif de la règle de DPA sans surprise. Ça n'a aucun rapport avec le vendeur ou avec le décédé, avec celui qui dispose. La règle, ce n'est pas que ça crée un revenu, ce n'est pas que ça crée quelque chose dans la déclaration du décédé, c'est que ça crée quelque chose pour les attributs fiscaux pour celui qui reçoit le bien, l'héritière en question du bien amortissable. Donc, c'est ça qui est un peu contre-intuitif. Si vous cherchez la règle de DPA sans surprise, vous essayez de trouver l'impact sur le décédé, il n'y en a pas. Tout ça se reporte sur celui qui reçoit le bien. OK? Alors, on continue. On sait les trois conditions. Est-ce que ça arrive souvent au décès? Tout le temps que j'ai un bien amortissable, c'est sûr que ça va tout le temps arriver. Espérez pas qu'il n'y en aura pas à l'examen, il va y avoir cet élément-là, c'est sûr. Alors, prenons un petit exemple, parler de DPA sans surprise. J'ai une bâtisse qui appartient à quelqu'un qui vient de décéder. La bâtisse, elle vaut 300 000, le coût est 200 000, la FNAC est 160 000. Il faut s'approprier ces attributs, ces informations fiscales-là. Il faut que ça soit clair pour vous que, OK, je vois très bien qu'il y a un gain capital latent de 80 000. Ah oui, je vois très bien qu'il y a une récupération d'amortissement latente de 60 000. Ça, c'est de l'acquis, ça. C'est de l'acquis pour vous. Vous devriez, comme ça, être capable de répondre à ça. Alors, si on lègue cette bâtisse-là au conjoint survivant, est-ce que, bon, vous comprenez que le produit de disposition dans la déclaration du décédé, 160 000, va être 160 000 parce qu'on veut faire un roulement. Donc, c'est ce que je vous disais. Si on veut faire un roulement, il faut disposer à la FNAC. Donc, dans la déclaration du décédé, vu que c'est un bien amortissable qu'on lègue à la conjointe, on y va sur roulement, on y va à la FNAC à 160 000 $. Est-ce que la règle s'applique? Oui. C'est un bien amortissable. C'est en faveur d'une personne liée. Puis, effectivement, la disposition fiscale se fait en bas du coût en capital. 160 000, c'est en bas du 200. Donc, ça s'applique. On y arrive. Comment ça s'applique? Comment ça marche? Prochaine étape. J'ai l'immeuble en question. Là, comprenez bien comment je vous le montre. Regardez l'impact de des attributs fiscaux pour l'héritier. 300 000 pour la juste valeur marchande. C'est beau. Coût en capital, 220 000. Produit de disposition devient la FNAC pour l'acquéreur.
Est-ce que quelqu'un ici voit de la magie? Est-ce que quelqu'un voit que ça, c'est une règle spéciale? Ou vous dites, non, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est juste normal, ça, ce résultat-là. Est-ce que ça, c'est normal, ça, comme résultat? Si moi, je vous vends cette bâtisse-là, on n'est pas les personnes liées, je vous la vends, OK? Est-ce que, si je vous la vends 160 000, okay, on n'est pas liés, là, j'ai le goût de me faire avoir, OK? Je vous la vends 160 000, on n'est pas liés, OK? Est-ce que ça va être ça, votre attribut fiscal, parce que vous m'achetez ma bâtisse 160 000, est-ce que ça va être juste en marchant de 300 000? Peut-être, OK? Mais est-ce que le coût en capital va être de 160 000 et la FNAC de 160 000? Ou le coût en capital va rester à 220 000? Quoi en capital, puis la FNAC, c'est la même maudite affaire. Dans la vie normale, là, j'achète un immeuble locatif, tu le payes 300 000, j'ai 300 000 de quoi en capital, j'ai 300 000 de FNAC. Ça, c'est la vie normale. Oups, comprenez-vous, je viens de faire une petite courbe ici. Là, pour l'héritier, c'est pas, même si la vente fiscale se fait à 160 000, je ne suis pas après vous dire, le coût en capital est de 160 000, la FNAC est de 160 000, je suis prêt à vous conter une toute autre histoire. Ça, c'est la règle DPA censée prise. Donc, la règle de DPA censée prise, c'est simplement de dire, lorsqu'on dispose d'un bien amortissable avec une personne liée à une valeur qui est en bas du coût, bien, pour l'acquéreur, dans ce cas-ci l'héritière ou l'héritier, on va reconduire les attributs fiscaux. La juste valeur marchande va rester la même, le coût en capital va rester la même, puis la FNAC va rester la même chose. OK? Bon, c'est un peu ardu, c'est un peu aride, c'est un peu plate, c'est un peu technique. Je vous explique. Pourquoi? Puis, ça n'arrive pas souvent que je vais applaudir l'ARC ou Finance Canada, mais celui qui a pensé à ça, bravo. C'est vraiment, c'est logique. Il y a une très grande logique à ça. J'aime pas ça prendre le côté du fisc, mais là, je suis obligé de dire employé du mois. OK? Donc, de quelle façon employé du mois? Regardez ce qui se passerait s'il n'y avait pas la règle de DPA sans surprise, puis on fonctionnait normal, comme si ce n'était pas qu'une personne liée. Vous payez 220 000, votre coût, la FNAC est de 220 000, OK? Donc, regardez l'effet, puis là, la lumière devrait se faire, OK? Je sais que la lumière, elle ne s'est pas faite encore, là. Elle devrait se faire à la prochaine acétate. OK, j'ai mes attributs ici. 300 000, 220, 160. L'attribut fiscaux pour l'héritier avec la règle de DPA sans surprise. On vient de le dire, OK? Qu'est-ce qui se passe si la conjointe survivante, c'est comme ça qu'il faut faire le test pour amener la lumière dans l'histoire, OK? Si elle disposait. Mais avant ça, regardons s'il n'y avait pas la règle de DPA sans surprise, puis c'était juste normal. La vente se fait fiscalement à 160 000. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la règle normale, s'il n'y avait pas de DPA sans surprise, c'est coût en capital 160 000, FNAC 160 000. Commencez-vous à le voir qui est l'employé du mois, lui-là? Regardez bien. Si l'héritière dispose à juste en chambre un mois après le décès, OK, juste pour montrer. Donc, elle dispose, un mois après le décès, elle a l'immeuble locatif, elle vend cet immeuble locatif-là. Bien, avec la règle de DPA censée prise, elle va réaliser un gain capital de 80 000, elle va réaliser une récupération de 60 000. Vous rappelez-vous que c'est ça que je vous ai dit qui était le résultat qui se serait produit si le décédé n'était pas décédé et a vendu son immeuble? Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que c'est ça qui était latent? Oui, hein? Bien, regardez si la DPA censée prise, ça n'appliquait pas s'il n'y avait pas l'employé du mois qui avait intervenu pour développer le concept de DPA sans surprise. Regardez le résultat. Elle vend un mois plus tard le même immeuble qui appartenait un mois avant à monsieur qui avait latent gain en capital 80 000, DPA 60 000. On aurait 300 000 moins 160 000 parce que le coût en capital et la FNAC serait la même chose. Donc, 140 000. C'est extraordinaire, ça? C'est hot, hein? OK. Est-ce que je veux juste m'assurer au moins d'une chose? Tout le monde ici, est-ce que vous êtes tous d'accord que vous aimeriez bien mieux avoir comme impact fiscal juste un gain en capital de 140 000 qu'un gain en capital de 80 puis une récupération de 60 000? On s'entend tous que ça, là, c'est de l'acquis, là? Je peux compter sur vous, là? C'est bon? OK, parfait. Bien, c'est ça. C'est ça, la DPA sans surprise. Ça l'empêche, par le roulement, au décès, de convertir de la récupération d'amortissement en gain en capital. Nous, on aimerait ça. Moi, j'aimerais bien ça que ça n'existe pas, la DPA sans surprise. Mais je dois m'incliner. Employé du mois, c'est une bonne idée. C'est logique. Il y a une cohérence. Donc, employé du mois, au fonctionnaire qui a pensé à ça, n'oubliez-le pas pour l'examen. Comprenez ce qu'il y a derrière ça. Ça va? Vous réécouterez le tape du match au besoin. Question quand même? Ça va? Technique, là.
C'est la meilleure affaire. J'ai fait mon meilleur effort de vous l'expliquer. Là. C'est technique, cette affaire-là. Parfait. OK. On retourne à la planification. On retourne au décès. OK. Donc, même si on l'a vu la semaine passée, on avait le cas de M. Olivier qui était décédé. Je veux juste m'assurer qu'on se remette à la case de départ et qu'on comprenne que peu importe, suite à un décès, peu importe que ça soit compliqué, peu importe qu'il y ait un testament, qu'il n'y a pas de testament, que ça soit que les gens s'opposent ou pas, que ça soit simple ou complexe comme situation, je veux que vous compreniez qu'à chaque fois qu'il y a un décès, il y a automatiquement une période de transition qui s'appelle la succession. Tu ne peux pas remettre les biens juridiquement, légalement, directement du décédé aux héritiers. Il y a des étapes intermédiaires à gérer au niveau juridique. On a parlé de ça la semaine passée. Donc, les biens vont passer du décédé à la succession. Cette succession-là, on l'a vu, elle peut durer longtemps, 5 ans, 10 ans, 3 ans, 2 ans, 8 ans, ou elle peut être réglée tout croche, comme on a vu, M. Olivier, comment ça s'est réglé. Pourquoi c'était tout croche? C'est parce qu'on a remis, le liquidateur testamentaire a remis les biens, puis les dettes n'étaient même pas payées au complet parce qu'on n'avait même pas fini de calculer l'impôt au décès. Donc, c'était à l'envers, cette histoire-là. Alors, ça se passe toujours comme ça, du décédé à la succession aux héritiers. Rappelez-vous de ça. Puis rappelez-vous que juridiquement, c'est trois personnes juridiques différentes. Le décédé, c'est une personne juridique. La succession, c'est une personne juridique. Ça existe vraiment juridiquement. Avec ses propres, les biens, lorsqu'ils sont en succession, ils appartiennent à personne d'autre que la succession. Et les héritiers qui sont bien sûr des personnes juridiques également. Au niveau fiscal, même affaire. Le décédé, c'est un contribuable. La succession, c'est un contribuable. Ça paye de l'impôt, cette affaire-là. Puis on va en parler plus la semaine prochaine quand on va parler des fiducies plus en détail. Et les héritiers, bien sûr, ce sont des contribuables fiscaux. Alors, juste revenir sur une chose hyper importante qu'on s'est dite la semaine passée, qui est la base de connaissances juridiques pour planification fiscale au décès, c'est de comprendre que si je n'ai pas de testament, c'est le Code civil qui va décider à ma place qui va être mes héritiers. Puis peut-être qu'on n'aimera pas le résultat, surtout, bien sûr, si on n'est pas au courant que c'est ça qui va se passer. Okay? Donc, bien sûr, toujours préférable d'avoir un testament. Plusieurs personnes, des gens, pensent qu'en ne faisant pas de testament, c'est pas grave parce que, anyway, les règles du Code civil vont donner le résultat que je souhaitais. Exemple, je suis marié, j'ai une conjointe, je sais qu'à mon décès, le Code civil doit dire que ça va tout à ma conjointe. Ben non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est si on est marié et on est sans testament, c'est comme ça, c'est un tiers de la masse successorale aux conjoints survivants, deux tiers aux enfants. Je le sais que je vous rappelle souvent ça, mais c'est important de ne pas oublier ça et de sensibiliser les gens autour de vous par rapport à cette règle-là. C'est pas 50-50, c'est pas tout aux conjoints survivants, non, c'est deux tiers aux enfants, un tiers aux conjoints survivants. Qu'il y ait un enfant ou qu'il y en ait 10, c'est deux tiers. C'est comme ça, la masse successorale est transmise de cette façon-là. Et l'image d'horreur, où vous devez encore plus prendre conscience, parce que j'imagine que le chiffre doit être 1 sur 2, les gens qui vivent en couple, 1 sur 2, c'est des conjoints de fait, non pas des gens mariés, ce qui est tout à fait correct, mais sachez ce que ça veut dire s'il n'y a pas de testament. S'il n'y a pas de testament, bien, il y a 0 % aux conjoints. Le Code civil ne reconnaît aucun droit juridique aux conjoints de fait. On le sait, on le dit souvent, faut se le rappeler puis ramener ça dans l'équation ici. Donc, 0 % 100 % aux enfants. Et même dans les contextes que je vous ai expliqués la semaine passée, j'essaie de frapper votre imaginaire, conjoint, beau couple, 50 ans de vie commune, 5 enfants ensemble, il n'y a pas de testament, il n'y a rien qui va aux conjoints survivants. Tout va aux enfants. Oui, Gabriel? Ça va jamais avant d'aller au gouvernement. Attends, Gabriel, il y a d'autres mondes qui vont être dans la liste là, avant le gouvernement quand même. Non, mais c'est une bonne question. C'est justement, il faut y aller logiquement. Moi, je ne connais pas les 15 combinaisons par cœur, là, OK? Prenez ça, mais il y a quand même, comment tu as proposé la réponse? Je veux juste rappeler. Donc, Gabriel, tu dis, si il n'y a pas d'enfant, c'est ça que tu as dit, s'il n'y a pas d'enfant, est-ce que ça revient
au conjoint. Là, est-ce que tu parlais conjoint de fait, disons? OK, mais on va commencer par conjoint de fait, parce qu'effectivement, si on est marié, là, l'augmentation, le conjoint passe d'un tiers à, je ne suis pas sûr si c'est 100%, c'est peut-être deux tiers, puis peut-être les frères et sœurs ramassent. Je ne suis pas trop sûr, il faudrait le regarder, je ne connais pas les 14 autres combinaisons possibles. Mais ce qui est important, c'est que c'est sûr que si il n'y a pas d'enfant, puis il y a une conjointe, mais c'est une conjointe de fait, bien, c'est pas parce que les enfants ont 0% que la conjointe a quelque chose. La conjointe n'a rien, elle n'a aucun droit. Donc là, on descend tout de suite. Ascendant, descendant, il n'y en a pas. Ascendant, puis collatéraux, frères, sœurs. OK? Il n'y aura jamais rien pour la conjointe. Le petit cousin de la fesse gauche de je ne sais pas quel rang va passer avant la conjointe ou le conjoint. Oui, c'est assez clair. Fait que non, il n'y a pas de survie là-dessus. OK? Ça va pour ça? Alors, si on regarde globalement, OK, on se rappelle des choses, puis on essaye d'intégrer ça. Quand on parle de décès, qu'est-ce qui gravite comme organisme, comme entité juridique, fiscale autour d'un décès? Bien, il y a évidemment le décédé. On le dit, il y a la succession, puis il y a les héritiers. Qu'est-ce qu'on essaye de faire à chacune de ces étapes-là? C'est sûr que pour le décédé, ce qu'on va essayer de faire, c'est bien évident, on va essayer de réduire son impôt. Ça va être plus facile de réduire son impôt si on arrive avant qu'il est mort. S'il est déjà mort, c'est plus difficile, mais il y a des choses à faire. Et on va distinguer ces deux étapes de vie-là. Si j'arrive avant la mort, si j'arrive après la mort. Okay? Ce n'est pas les mêmes choses que je peux faire en termes de planification. Et je dois respecter les volontés, par contre. Okay? Si j'arrive avant le décès, il est en parfaite santé, il souhaite planifier son décès au niveau fiscal, puis il fait affaire à des spécialistes comme vous, des fiscalistes, des experts comptables, etc., bien, c'est sûr que l'idée, c'est de réduire l'impôt, mais pas au dépend de sa volonté économique. OK? S'il souhaite léguer 100 000 $ à chacun de ses enfants, bien, il ne faut pas que tu défasses cette volonté-là en disant, bien, il va payer de l'impôt, là. En tout cas, tu peux bien l'amener sur cette discussion-là, mais ce n'est pas à toi à décider de ça. C'est de trouver 100 000 200 000 défiscalisés, c'est possible, puis on va remettre ces biens-là aux enfants. Donc, il faut respecter la volonté et réduire, si on en a parlé. Bon, la succession, honnêtement, c'est la fiducie qui est la succession, c'est un peu technique, c'est un peu conformité. Il n'y a pas tant de planification à faire autour du moment de la succession. Bien sûr, vous devez, comme liquidateur testamentaire, produire un maximum de déclarations fiscales pour le décédé. Bien sûr, vous avez des actes juridiques à commettre avant de remettre les biens. En gros, remettre les dettes, payer les dettes avant de remettre les biens. Mais on est pas mal dans conformité. Il y a un élément de planif qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que la succession va avoir, pendant 36 mois, accès à des taux progressifs d'impôt. OK? Mais c'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine. On va parler de cet élément de planification-là, mais c'est seulement la semaine prochaine. Alors, pour l'instant, l'état de votre connaissance autour de la succession, il n'y a pas tant de planif dans la succession telle qu'elle. Bon, mis à part aussi ce qu'on a vu la semaine passée, quand il y a une perte subie dans la succession puis il n'y a pas de gain pour l'éponger, on peut la reporter dans la déclaration du décédé, mais tu sais, ça tourne autour de ça. Les héritiers, bien sûr, il y a des éléments de planification qu'on peut réfléchir avant le décès, OK? De la personne qui a les biens. Une de ces choses-là, on la connaît déjà, l'évaluation des besoins. Ces enfants mineurs qui ne sont pas autonomes économiquement, bien, on va devoir penser à une assurance-vie temporaire. On ne reviendra pas là-dessus, on a parlé de ça avant l'intro, mais ça fait partie de la grande famille, de la planification testamentaire, successorale, utilisez le mot que vous voulez, ça fait partie de ce monde-là. L'autre aspect pour les héritiers de planif, ce serait peut-être la protection du patrimoine. Je m'explique. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on va creuser davantage la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans les fiducies. Mais la protection d'actifs ou de patrimoine par rapport à un décès, la situation que j'ai en tête est la suivante. Disons je décède, disons je n'ai pas de conjointe, j'ai juste une fille, ma fille a 5 ans, puis je vaux 1 million de dollars, j'ai 1 million d'actifs nets, d'accord? Bon, c'est assez clair dans ma tête que je souhaite léguer ma fortune de 1 million à ma fille Charlotte qui a 5 ans. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus intelligent à faire que de léguer directement à 5 ans à un enfant
un million, est-ce que je pourrais pas créer une fiducie testamentaire en planif, en amont, bien avant mon décès, la prévoir, puis de dire, au lieu de léguer un million directement à Charlotte, qui a 5 ans, je vais léguer à une fiducie, et la fiducie, qui sera bénéficiaire? Bien, ma fille Charlotte. Puis qui va prendre les décisions sur à quel rythme, de quelle façon je vais remettre le 1 million au lieu de le remettre tout de suite? Sachez des bonbons, mais il va y avoir des fiduciaires. Donc, je vais mettre des règles du jeu, dire peut-être un tiers à 18 ans, un tiers à 25 ans, puis un tiers à 30 ans. Puis il ne faut pas que tu rentres dans la scientologie, il ne faut pas que tu aies un problème de boisson. Tu sais, il va peut-être mettre des petites règles comme ça pour la protéger contre elle-même, à quelque part. Ça va? Bon, on reparlera de tout ça, mais ça fait partie de la grande famille de la planification testamentaire. Peut-être certains d'entre vous vous dites, dans mon exemple, « Ouais, mais tu sais, à 5 ans, si elle reçoit un million, même si elle n'a pas de fiducie, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut avec. Il y a sûrement un tuteur, sûrement les parents qui ont un droit de regard. » Vous avez raison. Avant 18 ans, c'est quand même limité les dommages que Charlotte peut faire. Mais à 18 ans et un jour et une minute, elle a accès au million complet, là. OK? Fait que c'est peut-être mieux de faire une petite fiducie testamentaire dans le portrait. OK? Des choses comme ça. On en parle la semaine prochaine de cet aspect-là. Maintenant, vous m'avez entendu le dire. Quand on parle de planification dans un contexte de décès, il faut savoir dans le temps où on se situe. Est-ce qu'on se situe où le contribuable est décédé sans possibilité de changement au testament? C'est ce qu'on va appeler une planification post-mortem. Donc, vous êtes déjà un peu familier avec ça. On l'a très bien vu dans le cas de M. Olivier. Si vous intervenez comme fiscaliste, comme planificateur financier, comme expert comptable, puis la personne est décédée, vous pouvez faire des choses. On va voir des choses qui sont des éléments de planification, mais vous avez moins de latitude, vous allez être moins brillant parce que vous allez pouvoir faire que si vous arrivez avant le décès, puis vous pouvez changer le testament. Parce que quand la personne est 6 pieds sous terre, même si tout le monde est d'accord, même si chacun des héritiers, la semaine passée, même si Mme Olivier puis les deux enfants, celles qui avaient 11 ans puis 19 ans, même si les trois étaient d'accord de dire « Ouais, le fiscaliste, je vous comprends, puis l'immeuble locatif, on aurait peut-être dû le transférer à la conjointe, puis nous recevoir les enfants, 300 000 défiscalisés. » Même si tout le monde est d'accord là-dessus, c'est pas ça qui va se passer. C'est l'application du testament. Alors, quand on arrive à faire une planif, puis la personne est déjà décédée, il y a des choses à faire, mais il y a beaucoup moins de choses à faire. Je ne peux pas changer le testament. Donc, je ne peux pas changer le dosage des biens qui sont légués. Parce que vous comprenez, moi, je veux léguer les biens aux enfants, les biens qui sont défiscalisés, qui n'ont pas d'impôt latent. Puis où il y a de la grosse impôt latent, parce que j'ai une grosse juste valeur marchande par rapport au coût puis la FNAC, là, ça, je vais envoyer ça à la conjointe pour reporter de l'impôt. C'est la base. C'est la base de tout ce qu'on se parle. OK, donc planification post-mortem, on va regarder ça tantôt. Mais la planification la plus intéressante, la plus fertile, c'est la planification qu'on peut faire quand tout le monde est en santé, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est sain d'esprit, puis en amont, vous dites, bon, est-ce qu'on s'occupe de qu'est-ce qui se passe si on décède, puis à qui on remet les biens, puis réduire l'impôt pour pas que le fisc soit notre plus gros héritier? Est-ce que ça, c'est pas le plus beau cadeau qu'on peut léguer à nos enfants, d'organiser nos choses avant de partir? Donc ça, c'est de la planification testamentaire. Ça, ça se fait avant le décès. Quand tout le monde est en santé, tout le monde est de bonne humeur, comme j'ai dit. OK, donc, vous comprenez la différence entre les deux. Ce n'est pas les mêmes interventions que vous allez pouvoir faire, dépendamment où vous êtes dans le temps. Puis à l'examen, il va avoir ça. Où vous êtes dans le temps? C'est après le décès ou avant? Entre autres. Vous voyez ça, c'est assez clair, là, cette démarcation-là. J'insiste sur cette démarcation-là, pas pour la sémantique, pas pour dire « Ah, une, c'est testamentaire, l'autre, c'est post-mortem. » Vous ne poserez jamais une question théorique sur cet aspect-là, mais je veux juste faire réaliser que le temps est important par rapport à ce à quoi vous avez accès comme planification. OK. Donc, là, pour l'instant, on va se parler de planification post-mortem. OK? La prochaine demi-heure, heure, on va parler vraiment, il est mort, OK? Il est 6 pieds sous terre. Alors, qui l'exécute, cette planification testamentaire-là? C'est qui les compétences, qui organise ça? Bien, c'est sûr qu'à la base, la personne ou les personnes qui vont gérer, qui vont faire la gestion de la succession, incluant réaliser la déclaration du décédé, puis plusieurs déclarations s'il y a lieu, puis tous les éléments de planification post-mortem, bien, c'est le liquidateur ou la liquidatrice testamentaire, puis là, encore une fois, on peut être 1, 2, 3, 4 là-dedans.
Ça dépend de ce qui est écrit dans le testament. Si c'est pas dans le testament, le conseil de famille se réunit puis désigne des liquidateurs testamentaires. Vous, par votre formation, par votre champ d'expertise, même si vous ne devenez pas des fiscalistes, peu importe ce que vous faites, vous sûrement vous allez être désigné comme liquidateur testamentaire. Vous allez avoir pas mal plus de connaissances que monsieur, madame, tout le monde, parce que dans la vie là, normale des gens, très, très souvent, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de fiscalité, de finance, de droit, qui sont liquidateurs testamentaires. Donc, vous comprenez, dépendamment où se situe le niveau de compétence du liquidateur ou des liquidateurs, bien, je peux faire ça quasiment tout seul si je suis un fiscaliste et juridique, toute l'affaire, ou je peux avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'aide si je ne connais rien de ça. C'est juste le gros bon sens. Donc, qui l'exécute, qui colle les shots, c'est le liquidateur. Mais peut-être qu'il va avoir besoin de faire intervenir des spécialistes. Okay? Mais c'est important d'avoir des ordres de grandeur. Quand je vous parle de planification post-mortem, de grosse planification testamentaire, il faut que tu aies des biens à léguer. Si tu n'as pas de biens à léguer, on ne panique pas avec ça. Là, ouais, t'as plus, ça prend un fiscaliste au dossier, t'as plus, je vais appeler voir si ils peuvent me fournir un fiscaliste en urgence pour faire la planification post-mortem. 40 % des Québécois ne payent pas d'impôts. Là. Oubliez pas ça. Là. Okay? Donc, pas 40 % parce qu'ils sont au noir, ils travaillent en dessous de la table. Pas 40 % parce qu'ils sont dans les îles Caïmans. Non, 40 % ils ne font pas assez d'argent. OK? Donc, il faut comprendre la chance qu'on a, première des choses, premier constat, puis de dire que les planifs qu'on parle ici, ça ne s'applique pas à toutes les situations de tout le monde, tous les gens qui meurent. Quand est-ce que ça s'exécute? Bien, je pense que vous avez compris, c'est après le décès. Après le décès. Puis ça prend le temps que ça doit prendre. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça dépend de la complexité. Ça dépend si ça s'oppose dans la situation. Comment? Bien, essentiellement, c'est un peu plate, là, comment je vais le dire, comment ça se passe, la planification post-mortem? Un, assurons-nous qu'en conformité, on respecte les délais de production par de pénalité. Première des choses, très, très à la base, d'accord? Deuxième niveau, assurons-nous qu'on peut produire un maximum de qu'on produit un maximum de déclarations fiscales pour le décédé, si on le peut. Je pense, la semaine passée, tout le monde a compris que bien qu'on pourrait tout regrouper dans la déclaration principale, si j'ai des revenus qui correspondent à la définition de droit au bien, puis que j'ai le droit de faire cette déclaration-là, j'ai fait. Même si c'est pour mettre juste 2 000 $ dans cette déclaration-là. 2 000 $ dans la déclaration de droit au bien, c'est 1 000 $ d'impôt que je sauve. Parce que 2 000 $ viendrait s'ajouter sur le top de la déclaration principale, qui est peut-être à 150, 200, 250. Donc, il n'y a pas de petite économie d'impôt. Quand on a une nouvelle déclaration fiscale, parce qu'on a un droit au bien, par exemple, on reprend la progressivité des taux à 27,53, puis on reprend le crédit personnel de base. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire. Maintenant, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a une troisième déclaration parce que la personne, ça s'adonne que c'est un associé d'une société non collectif, c'est pas le 31 décembre, puis il meurt après la fin de l'exercice. Ça arrive dans les examens, mais ça arrive pas tant que ça dans la vie. Là. OK, on s'entend, mais vous êtes prêt à toute éventualité si jamais ça se produit dans votre environnement. Après ça, ben c'est la connaissance de quelques règles particulières. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. On va regarder, je pense, c'est 5. 5 petites règles particulières, fiscales, qui ne s'appliquent pas tout le temps quand il y a un décès. Mais quand ça s'applique, on n'a pas le choix d'investiguer, puis on n'a pas le choix d'aller au bout parce qu'il peut y avoir des grosses économies d'impôts. Vous allez voir la somme de ce qu'on va faire aujourd'hui jusqu'à la pause, on va économiser 280 000 $ d'impôts. Donc aujourd'hui, on fait vraiment des choses qui ont une grande importance, qui sont de grande valeur économique dans notre planification. Quatrième, bien, c'est l'idée d'effectuer des choix sur le produit de disposition. Mais encore une fois, elles vont la tête. Avoir le choix sur le produit de disposition dans la déclaration du décédé, on s'entend que c'est juste sur des biens qui sont légués au conjoint survivant. Parce que si le bien n'est pas légué au conjoint survivant, c'est quoi? C'est juste en marchande. Là, sur les biens qui sont légués au conjoint survivant, là, on peut parler. Je laisse aller le roulement ou j'appelle la juste en marchande? On en a parlé la semaine passée. On en reparle plus en détail aujourd'hui avec un exemple un peu plus compliqué aussi. Ça va? Ça va? Donc, on se tient ici. On se tient ici jusqu'à la pause. Alors, on commence. Number one, numéro un. D'accord? La numéro un des règles spéciales qui peut s'appliquer post-mortem, vous la connaissez. Vous l'avez déjà entendue, c'est sûr. OK? C'est celle qui dit que l'année du décès, les pertes en capital du décédé, finalement, on peut les appliquer contre tout revenu.
Ça, vous réalisez la chance qu'on a dans ce contexte-là que tout au long de notre vie, pour utiliser une perte en capital, ça me prend un gain en capital. Tout au long de notre vie, c'est ça. L'année du décès, on dit OK, prends ta perte en capital, tu n'as pas de gain, c'est pas grave en capital, applique-les contre tout revenu. Tout le monde ici a déjà entendu ça. Tout le monde a déjà entendu ça. Là, la seule chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder un petit peu les nuances autour de ça. Il y a plus d'éléments à dire par rapport à cette idée-là de dire qu'on peut utiliser les pertes en capital contre tout revenu l'année du décès. Donc, je vais vous la lire, si vous voulez, la règle. C'est que les pertes en capital dans l'année du décès ou antérieures peuvent réduire toute forme de revenu dans l'année du décès ou l'année antérieure. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit, ces petites phrases-là? C'est que ça nous dit finalement, c'est pas juste les pertes en capital dans l'année du décès, c'est aussi mes PCN du passé. Tout le monde se souvient qu'une perte en capital qui vient du passé, on appelle ça une perte en capital nette, PCN, que ça, c'est déjà clé en main, c'est déjà après 50%. PCN, quand vous voyez le chiffre, il est déjà après 50%. OK? Parce qu'il y a des conventions comme ça qu'il faut se rappeler pour balancer nos calculs. Alors, c'est les pertes en capital de l'année du décès et toutes celles qu'on n'a jamais utilisées, toutes les PCN du passé. Ah! Ça, pas tout le monde qui savait ça, nécessairement. Puis l'autre chose que c'est pas tout le monde nécessairement qu'on savait, c'est que ces pertes-là, tu peux l'utiliser contre tout revenu dans l'année du décès. Mais regardez ce que j'ai écrit. Dans l'année du décès ou l'année d'avant. Ça, c'est pas tout le monde qui sait ça, là. Que, ah, OK, je peux la reporter dans l'année du décès, mais aussi l'année d'avant. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ou qui pense comprendre pourquoi il y a un fonctionnaire à un moment donné qui a dit « Ouais, si on permet de reporter les pertes en capital contre tout revenu dans l'année du décès, on serait peut-être mieux d'ouvrir l'année d'avant aussi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un, en termes de logique fiscale, de politique fiscale, qui comprend pourquoi que c'était une chance que ce fonctionnaire-là a levé la main? Oui. Si tu meurs le 3 janvier, tu as un gros exercice du 1er janvier au 3 janvier. OK? Fait que là, c'est dur de trouver du revenu pour appliquer contre ta PCN de 225 000. Là. OK? Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ouvre l'horizon pour être sûr qu'il y a au moins. Il y a le même genre de truc avec les frais de déménagement, là, que c'est sur une année ou l'année d'avant, à cause de cette notion-là. Ça va? Tu sais, parce que si vous déménagez le 22 décembre, puis c'est contre du revenu seulement gagné après le déménagement, tu as 8 jours. Là. OK? Fait que le législateur, il pense à son affaire, il dit on va donner l'année d'après aussi. C'est le même genre de logique. OK. Il y a des ordres de priorisation dans l'utilisation des PCN, des pertes en capital contre tout revenu l'année du décès. Quand même, je vous le dirai en mots, ça ne frappera pas l'imaginaire comme vous laissez 5 minutes faire cet exemple-là, ça va, vous allez crasher, vous allez confronter le questionnement que je veux soulever, puis on va regarder dans 5 minutes vos réponses, puis on va regarder la solution. Donc, je vous laisse 5 minutes pour répondre à la question ici. Bien sûr, l'idée ici, c'est vraiment prendre son Excel, faire 2 colonnes, 2016 puis 2015, puis le faire réellement, pas juste essayer de le penser visuellement, parce que c'est là que vous allez rencontrer le dilemme. Le dilemme que je vais vous expliquer, l'histoire de dire peut-être qu'il y a des bouts, qu'on est obligé de faire ce choix-là, puis qu'un autre bout, on peut prioriser, puis on a une latitude. Vous allez vraiment le voir en essayant de réaliser la solution ici. Donc, faites-vous 2 colonnes, 2016-2015, travaillez dessus.
bien sûr, échangez, aidez-vous, posez-vous des questions ensemble. Le PCN il est déjà après le 50 % en perte économique si elles ont tous eu lieu après 2001, si je ne me trompe pas, c'est que c'était 200 000 la perte économique en capital. La PCN, c'est après application du taux d'inclusion. OK, je suis curieux. On s'en va sur Kahoot. Je veux vous entendre. La bonne réponse. Très, très bon. Mes respects, vous avez mon respect, ceux qui avaient marqué 210 000 aussi, parce que c'est ça l'idée, vous ne la savez pas d'avance, la règle qu'on va se présenter. Puis elle n'était nulle part dans vos lectures. Donc, ceux qui ont 210 000, respect quand même. Mais on va aller voir c'est quoi la bonne démarche quand même. Hein? C'est ça l'idée.
OK. Alors, on a M. Leblanc qui, malheureusement, est décédé en 2016. À son égard, vous obtenez les informations suivantes. Alors, en 2016, l'année de son décès, revenu imposable avant gain en capital imposable et perte en capital déductible de 110 000. Dans cette année-là, à 3B, gain en capital imposable de 30 000, perte en capital déductible de 50 000. Donc, la terminologie que j'utilise vous indique que c'est après le taux d'inclusion de 50 %. Je parle imposable, je parle déductible. Je pourrais vous le mettre en économique, puis c'est à vous de faire les ajustements, là. Okay? C'est important de comprendre ça ou de se rappeler ça. En 2015, donc l'année avant son décès, M. Leblanc avait un revenu imposable de 220 000 et il n'y avait rien qui se passait à 3B. Pas de gain en capital imposable cette année-là, pas de perte en capital déductible. Par contre, on sait qu'en 2007, il a créé une PCN de 100 000 $ Il n'a jamais pu l'utiliser parce qu'il n'a jamais créé de gain en capital imposable par la suite. Et là, 2016, c'est l'année pour vraiment réaliser l'utilisation de ce PCN-là. Alors, je vous demande quel sera le revenu imposable modifié pour l'année 2015. Alors, regardons la mécanique ici. Alors, je commence par l'année 2016, l'année du décès. J'ai le revenu avant 3B, avant gain en capital imposable, perte en capital déductible de M. Leblanc, 110 000, c'est dans l'énoncé. À 3B, j'ai un gain en capital imposable de 30 000, j'ai une perte en capital déductible de 50 000. Si c'était n'importe quelle autre année que l'année de son décès, qu'est-ce qui se passerait ici? Il se passerait revenu imposable 110 000, PCN créé de 20 000. Okay? Le 20 000, on le garderait pour le futur ou 3 ans en arrière, puis on pourrait l'utiliser juste contre du gain en capital. Mais il est décédé. Et c'est là qu'il y a la règle d'allègement supplémentaire de dire « je peux prendre des pertes en capital, puis je sais qu'on a tout revenu ». Ce bout-là de la perte en capital déductible de l'année du décès qui est supérieur au gain en capital imposable de l'année, je dois l'appliquer dans l'année. Ce n'est pas un choix. Okay? Ce 20 000-là, je peux seulement l'utiliser dans l'année 2016. Ça, ce n'est pas un choix. C'est ça que je vais illustrer. À quel endroit j'ai un choix, puis à quel endroit je n'ai pas le choix. Sur la perte de l'année, je n'ai pas le choix. Bien sûr, si on arrivait à zéro de revenu imposable, puis il me restait une perte en capital déductible dans l'année, je pourrais, mais il faut que je ramène ça à zéro pour ce bout-là. Alors, j'arrive avec un revenu imposable, après les règles particulières, 90 000 pour 2016. Alors, on comprend très bien ici qu'en 2015, j'ai le revenu imposable de 220 000. Il n'y a rien qui se passe à 3B en 2015 pour M. Leblanc. Donc, un ajustement aux règles, je peux utiliser 100 000, c'est-à-dire qu'on arrive à moins 100 000 $ pour 120 000 $ Donc, la PCN qui était de 100 000 $ qui provenait de 2007, ça, j'ai le choix. Ça, la PCN antérieure, je peux l'utiliser soit en 2016 ou en 2015. Vous comprenez tous ici que fiscalement, ce qui est plus avantageux, c'est de fractionner du revenu. Niveler le revenu au même niveau le plus possible. Ça serait vraiment désastreux au niveau fiscal, maintenant qu'on sait qu'on a le choix, d'aller foutre sur le 100 000 de PCN, d'envoyer 90 000 en 2016, juste pour dire, j'aimerais ça, moi, arriver à zéro d'un bord, c'est plus beau, OK? Puis là, de l'autre bord, j'arriverais à quoi? J'arriverais à 210 000. Vous comprenez? Vous avez mon respect, ceux qui avaient marqué 210 000, parce que vous ne saviez pas que c'était un choix. Mais une fois que je vous dis que c'est un choix, il faut que vous débarquiez de l'idée d'avoir 210 000 d'un bord puis zéro de l'autre bord. Ce qui est optimal, c'est 90 000, 120 000 ici. Vous comprenez? Maintenant, ce que je vais m'amuser à vous poser à chaque fois qu'on fait un coup de planification comme ça, post-mortem, c'est je vais vous demander comment on calculerait pour savoir l'économie d'impôt. Si on veut vendre nos compétences, nos mandats aux clients, il faut être capable d'exprimer en chiffres. Ça leur parle. Quelle est l'économie d'impôt? Donc, dans vos mots, comment je ferais pour démontrer l'économie d'impôt qui est reliée à la fine compréhension que j'avais un choix sur la PCN puis j'ai fait le bon choix? Ça serait quoi? Comment je le ferais? Calculer l'économie? Oui. Ouais. Avec ton taux d'imposition de 220 000, ouais. L'économie d'impôt que tu paierais de trop si tu mettrais 120 000 au lieu de 220 000. C'est ça l'idée, c'est que tu prends l'impôt. Puis il y a deux scénarios, vous me suivez? Ça, c'est le scénario optimal. Donc, je regarde l'impôt avec ma table d'impôt quand 90 000 en 2016, 120 000 en 2015. Ça me donne l'impôt. J'additionne ensemble. Puis je compare à
zéro d'impôt en 2016, mais 210 000 en 2015. C'est comme ça que je calculerai l'économie. Puis vous allez comprendre que là, on est en mode de planification fiscale, fait que je vais toujours à vous parler économie d'impôt, report d'impôt. Puis pour vous, il faut que ça soit clair, c'est quoi la différence entre les deux. Bien sûr, quand je parle d'économie d'impôt, c'est de l'impôt qui est sauvé, qu'on n'aura jamais à payer. Des fois, ce n'est que du report d'impôt, mais le report d'impôt, c'est intéressant pour un fiscaliste quand même. Vous comprenez, à chaque fois, je parle de roulement. Est-ce que tout le monde comprend quand je parle de roulement sur un bien légué à conjointe que je te ferais pelleter l'impôt à conjointe? Okay? Donc ça, c'est un report d'impôt. Ça, ici, c'est une économie d'impôt. Alors, on commence le décompte. On aurait économisé 19 000 $ d'impôt en faisant le choix optimal de tout mettre la PCN en 2015 ici et non pas niveler d'un bord à zéro puis laisser 210 000 l'autre bord. Oui. Quand tu fais des reports d'impôts, oui, oui, OK. Oui. Est-ce que tu as en tête ou tu le lances toi-même? Ben, voilà, tu l'as dit. Exact. Donc, c'est un très bon exemple. On l'a vu. Super exemple. Donc, des fois, on fait les deux. C'est vrai. Quand je cotise à mon REER, c'est un report d'impôt à la base. On fait un remboursement, on va le payer quand je vais le sortir. OK? Mais on l'a tous vu quand le taux d'imposition à l'entrée est plus élevé qu'au taux d'imposition quand on va le sortir. Mais là, ce bout-là, c'est de l'économie. Donc, il y a les deux là-dedans. Oui, excellent exemple. OK, donc ça, c'était la première règle post-mortem, numéro un à garder les clans. OK? Là, on arrive, deuxième règle importante. On l'a vu la semaine passée, elle a été drôlement utile dans le cas de M. Olivier. Je ne sais pas vous rappeler, M. Olivier, là, il y avait une transaction qui était un peu compliquée, là. Il y avait des actions de société publique qu'il avait achetées, puis la succession a pris la saisine de ces actions-là. Les liquidateurs ont décidé de vendre, puis là, finalement, la succession se retrouvait avec une perte. Puis là, on a reporté la perte en déclaration du décédé. En gros, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait cette situation-là. Mais cette règle-là, qui est très pointue, là, ça, là, c'est juste quoi? Combien de monde connaît cette règle-là au Québec? Il y a peut-être 10 000 personnes. Okay. En ce sens, tu sais, les fiscalistes, ceux qui sont vraiment dans ce monde-là, très, très pointus, mais la plupart des gens ne connaissent pas la disposition fiscale, paragraphe 164-6. Pas besoin de le dire comme ça, mais moi, c'est parce que je m'en souviens tout le temps avec cette terminologie-là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la disposition du paragraphe 164-6? Elle dit la chose suivante. Les pertes en capital subies sur une immobilisation non amortissable, parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir une perte en capital sur un bien amortissable, on s'entend là-dessus? Ou une perte finale réalisée sur un bien amortissable par la succession. Donc, on est dans la succession. Au cours de sa première année, majeure. C'est majeur de comprendre ça. Cette disposition-là, cet allègement-là est seulement disponible la première année de la succession. Si la succession dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis tes pertes, t'es fait dans l'an 2, 3, 4, tu ne peux pas faire la disposition dont on va se parler ici. Au cours de sa première année, peuvent servir à réduire toute forme de revenu dans la déclaration du décédé. OK? Ce qu'on vient de dire, en premier, cette perte-là qui est en succession doit être utilisée pour réduire le revenu en succession s'il y a lieu. Alors, l'exemple le plus probant, c'est probablement avec une perte en capital. D'accord? On sait que la perte en capital, partout dans la loi de l'impôt, c'est seulement qu'on dit en capital sauf l'année du décès, comme on vient de voir. OK? Donc, si c'est la fiducie, la succession qui fait une perte en capital, on est cuit à la base. S'il n'y a pas 164-6, si vous ne comprenez pas 164-6, on est cuit. Parce que la perte en capital qui serait réalisée par une fiducie, par une succession, mais si elle n'a pas de gain en capital, je ne peux pas l'utiliser. C'est juste dans la déclaration du décédé que je peux l'utiliser contre tout revenu. Alors, si on a une perte en capital dans une succession, seulement si elle est créée dans la première année, et que je ne peux pas l'utiliser en succession parce qu'il n'y a pas de gain, on peut exceptionnellement, en vertu de 164-6, la reporter dans la déclaration du décédé. C'est ce que vous avez fait la semaine passée avec M. Olivier. D'accord? Donc, là, c'était des petits chiffres, mais je veux juste vous dire, quand on a des mandats plus complexes, de grandes sociétés privées, grosses PME, sociétés de placement, etc., des fois, ça nous sort d'une double imposition sur 1 million de dollars, sur 2 millions de dollars. Non, c'est des grosses opérations qui se passent par là dans le contexte d'une succession pour un entrepreneur, potentiellement. OK? Donc, c'est important de connaître ça ou de se rappeler ça, que ça, parce que ça nous sort d'une double imposition. Vous comprenez quand j'ai une double imposition? Une perte en capital qui serait subie dans la succession dans la deuxième année, parce que je n'ai pas lu ça comme faux.
puis que je n'ai pas de gain, vous comprenez qu'elle est perdue. Est-ce que vous comprenez que 100 000 $ de perte en capital que je ne peux pas utiliser, est-ce que vous comprenez que c'est 25 000 $ d'appauvrissement? Ça, il faut le comprendre. C'est une vraie, là, c'est pas grave, une perte en capital, je ne peux pas utiliser. Non, c'est grave. C'est 100 000 $ fois 25 %, parce que juste la moitié est imposable, donc on passe de 50 à 25. Bref, faut que vous compreniez l'importance de l'enjeu ici, dans un contexte où ça nous dénoue, ça nous sort d'une double imposition potentielle, c'est-à-dire une perte qu'on ne pourrait pas utiliser. OK, troisième règle importante, très intéressante, je ne vous le cache pas, ce n'est pas une règle que vous allez retrouver à tous les jours, mais si le profil, c'est le bon profil, il faut absolument prendre avantage du contexte que je vais vous présenter ici. Il s'agit d'un REER ou d'un FER, mais on s'entend que le FER, c'est rare, parce que, regardez, c'est quoi la règle, c'est que le REER, FER, légué aux enfants mineurs, fait que c'est de là que je pars, là, tu sais. Maintenant, dans la vie moderne, tout est possible. À 71 ans, tu peux bien avoir un enfant de 2 ans, là, je le sais. Mais bon, OK, gardons ça un petit peu straight. J'aime garder mon cours straight quand même. OK, le REER, FER, légué aux enfants mineurs, peut faire l'objet de l'achat d'une rente étalée jusqu'à l'âge de 18 ans. Est-ce que, quand vous lisez ça, vous comprenez tout de suite qu'est-ce que ça veut dire? OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un contribuable, monsieur, madame, s'apprête à décéder, bien sûr, l'idée de léguer un enfant mineur, je triche un peu, ce n'est pas post-mortem, c'est avant le décès qu'il faut le décider. OK? Donc, l'idée de léguer un montant de REER, on n'est pas obligé de tout léguer à l'enfant mineur, tout léguer à la conjointe, on peut séparer ça. Donc, l'idée de léguer à l'enfant mineur une partie de REER, ça permet à l'enfant mineur, et surtout son conseiller à l'enfant mineur, ce n'est pas lui qui va penser à ça, c'est vous qui allez penser à ça pour l'enfant mineur, de prendre ce REER-là et aller voir une institution financière et convertir ce capital-là en rente qui va être payée de façon fractionnée à chaque année jusqu'au moment où l'enfant va avoir 18 ans. Donc, dans mon exemple, si l'enfant de 12 ans reçoit un REER comme héritier, bien, il va pouvoir s'acheter une rente avec ce montant-là qui va payer un montant à chaque année à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans. Et là, comment va se passer l'imposition du REER? Un, c'est plus dans la déclaration du décédé, c'est l'enfant mineur qui s'impose au rythme de ses rentes. Comprenez la beauté de la chose, là? Je vais vous l'illustrer avec des chiffres, là, mais est-ce que déjà vous salivez? Est-ce que vous comprenez où on s'en va? On s'en va vers une défiscalisation du REER. C'est un contexte très précis, là. Il faut que tu ailles de l'enfant mineur. C'est une tragédie, finalement, tu sais. Un parent qui meurt, puis il y a des enfants mineurs, c'est pas joyeux comme histoire, là. C'est pas jojo. Mais au sens fiscal, c'est intéressant, OK? Alors, j'y arrive avec l'exemple. Alors, dans mon exemple, j'ai, disons, il y a un REER en jeu, un leg de 100 000 $. Hypothèse, j'ai un enfant mineur de 9 ans, enfant du parent qui décède, enfant mineur de 9 ans. Le décédé a un revenu imposable de 210 000. L'année de son décès, le décédé a 210 000 avant analyse du REER, OK? Avant analyse du REER. La conjointe aura un revenu imposable de 70 000 $ à la retraite. J'ai besoin de toutes ces hypothèses-là. Pourquoi? Pour vous demander, calculez-moi donc l'économie d'impôt si on fait la juste affaire, la bonne planification. Alors, regardons ce qui se passe. Je ne l'ai pas marqué, mais disons qu'il y a un enfant majeur aussi, juste pour vous montrer les trois situations. Alors, j'ai un enfant mineur, j'ai un enfant majeur, j'ai la conjointe survivante. Puis là, je regarde l'impact fiscal, dépendamment à qui j'ai légué le REER de 100 000. OK, on y va. Alors, si j'ai légué à la conjointe, enfant majeur ou mineur, voilà les comportements fiscaux. Si j'ai légué à la conjointe, on comprend qu'il y a un roulement. Est-ce qu'on comprend qu'il n'y aura pas d'imposition tout de suite? Le 100 000 ne sera pas imposé dans la déclaration de décès, mais c'est madame, dans mon exemple, survivante, qui va s'imposer à quel rythme? Au fur et à mesure où elle va sortir l'argent de son REER, peut-être de son FER, si c'est au moment de la retraite. Si elle décède le lendemain matin, bien, disposition réputée, elle s'impose. Mais normalement, ça devrait être un long fleuve tranquille. Elle va prendre le 100 000 qui va être dans le REER pour, à l'étape 4, étape 3 de la méthode courte, balancer son déficit. Donc, c'est pour ça que je vous ai marqué son train de vie à la retraite, 70 000. C'est quoi le taux marginal à 70 000? 37,12, quelque chose de même. Alors, madame va s'imposer 37 120 $ dans le temps, là. Comprenez que c'est dans le temps, pas one shot. Donc, dès le décès de monsieur, il n'y a pas d'impôt qui se passe. Puis, au fur et à mesure où madame va retirer le 100 000 de son REER, ça va devenir son REER à elle.
Il y aura une imposition. Parfait. Enfant majeur, ce serait la gaffe. Ce serait la pire gaffe. Parce que l'enfant majeur, ben, finalement, tout REER qui est légué à quelqu'un d'autre que le conjoint survivant ou un enfant mineur ou un enfant handicapé, c'est dans la déclaration du décédé. Donc, le 100 000, si je lègue mon 100 000 à un enfant majeur, s'impose par-dessus le 210 000 du décédé, ça fait 310 000. Cette zone-là est toute à 53,3. À partir de 210 000 jusqu'à l'infini, c'est 53,3. Alors, ça donnerait 53 300 d'impôts, pas plus tard, tout de suite. Donc, ça, c'est scénario catastrophe dans le cas ici. Le cas vraiment excitant, la situation fiscalement excitante, c'est l'enfant mineur ici. L'enfant mineur, son conseiller reçoit le 100 000. Le legs du REER est fait à l'enfant mineur. Le conseiller de l'enfant lui dit, je vais aller voir une institution financière, je vais voir quel genre de rente que tu peux recevoir jusqu'au moment où tu vas atteindre l'âge d'être majeur. Alors, si je me suis dans ma chaîne à saucisses, 10 ans, OK? Donc, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, j'ai inclus 18 ans dans mon calcul, OK? Donc, ça fait 10 ans. On va verser une rente pendant 10 ans. C'est quoi la valeur actuelle que je donne à l'institution financière que je transfère? 100 000. Rendement, c'est des petits rendements. C'est comme les rentes viagères. Vous vous rappelez qu'on parlait de rentes viagères? Des petits rendements, là. Le gros rendement, c'est si tu meurs tard, OK? C'est pas le vrai rendement, espérance de vie normale. Donc, 2 % ça fait un paiement, une rente annuelle de 10 914. Comprenez-vous comment c'est spectaculaire, ça? À chaque année, l'enfant, à 12 ans, reçoit une rente de 10 914, s'impose sur 10 914, crédit personnel de base, 12 000 et plus, pas d'impôt. 13 ans, 14 ans, 15 ans, etc. Donc, ici, on vient de passer de 37 120 $ d'impôt sur le REER à zéro. Ça va? Donc, ça n'arrive pas souvent. Ce n'est pas un contexte qui court les rues, mais quand on est dans ce contexte-là, il faut le faire. Donc, pourquoi je l'ai mis dans le post-mortem? C'est plus ou moins post-mortem dans le sens que pour faire ça, il faut que dans le testament, ça soit écrit que le legs ou une partie du REER est légale en enfant mineur. Ça, c'est le bout avant le décès. Mais le bout post-mortem, c'est que si on ne fait rien, bien, le REER va être imposable entre les mains de l'enfant mineur. C'est déjà mieux que l'enfant que dans la déclaration du décédé. Mais c'est toi qui dois agir sur la rente d'étalement. C'est toi qui dois dire, hey, il y a un allègement fiscal avec le REER qui est légal à l'enfant mineur. On pourrait acheter une rente et on étalerait, fractionnerait le revenu comme ça. Okay? Donc, ça, c'est dans ce sens-là que c'est post-mortem. Mais tant qu'à y aller à fond dans cette idée-là, probablement vous me suivez, juste en termes fiscaux. Je ne vous dis pas que c'est la raisonnabilité ultime, c'est le meilleur geste financier en termes de logique. Mais moi, ici, j'ai fait l'exemple pour que ça donne une rente d'étalement à peu près égale au crédit personnel de base pour vous dire ça, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer parce que tu défiscalises. Tu n'en payes pas d'impôt sur ça, sur le 100 000. Fait que là, tu sais, c'est dur de s'obstiner contre ça. Mais moi, vous me voyez venir, là, c'est pas la première fois que je vous parle de ça, là. Avant l'intro, je vous parlais souvent de ça. Ça nous énerve-tu, ça, de la petite impôt à 27,53? On a-tu peur de ça? Si je vous demandais de signer un contrat ici, votre impôt, le restant de vos jours, 27,53, signez-vous? Ben oui, c'est la petite impôt, ça. Ça ne m'énerve pas. Fait que moi, j'irais probablement jusqu'à des rentes qui totaliseraient peut-être jusqu'à 40 000 $. Là, je t'ai vu, là, ce que je devrais vous dire. Tu sais, quelqu'un qui aurait un REER de 1 million, ben, tu sais, avec un enfant mineur, il y a quelque chose de fiscalement très intéressant. Là, maintenant, il ne faut pas dénaturer l'histoire. Il ne faut pas donner tout le REER à l'enfant mineur. Puis là, la conjointe survivante n'a plus rien. Là, il y a une logique à aller chercher. Mais fiscalement, il y a quelque chose de très intéressant. Ça va pour ça? On comprend ça? On comprend l'enjeu? Donc, on voit que c'est de la vraie économie. L'économie, 37 120. Ben, je ne considère pas l'enfant majeur. C'est trop un mauvais traitement fiscal. On ne fera pas ça. Okay? Le choix, c'est plus en dire, le 100 000, je devrais-tu le léguer à la conjointe, roulement, puis on va s'imposer long fleuve tranquille? Ou lègue à l'enfant mineur, puis là, la rente d'étalement, puis on est dans un grand haut de voltige fiscal. Alors, c'est 0 ou 37 120, économie 37 120. Quatrième règle post-mortem qu'on peut appliquer lorsque le décédé est 6 pieds sous terre. OK? Ça, vous allez probablement voir ça dans à peu près tous les livres de planification, là, l'année du décès, patati patata. C'est qu'il y a une règle spéciale où le liquidateur testamentaire ou la liquidatrice testamentaire peut, au nom du décédé, faire une dernière et ultime cotisation à son REER. Donc, peu importe la date, OK?
Alors, la personne est décédée, tu regardes son état, son avis de cotisation, tu regardes son plafond utilisé de REER, puis disons que c'est marqué 55 000, tu pourrais, comme liquidateur testamentaire, prendre des liquidités de la succession, puis cotiser 55 000 dans le REER du décédé. Là, bon, la règle, elle se comprend, là, je viens de vous la dire, je pense que vous savez tous ce que ça veut dire. Non, c'est une bonne affaire, c'est ça la vraie question, c'est une bonne affaire. Bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Je vais vous montrer un exemple où c'est intéressant. Alors, dernière cotisation, année du décès, REER, hypothèse. Plafond inutilisé de 55 000. Ça, c'est mon exemple à moi. Donc, le décédé, on regarde son avis de cotisation. Vous êtes le liquidateur testamentaire. Vous voyez qu'il y a, 50, il y a de la place 55 000. Le décédé a un revenu imposable de 270 000 avant décision de cotiser ou pas au REER. OK? Avant votre planif, 270 000. Alors, pourquoi 270 000 est à 53,3? De 270 000 jusqu'à 210 000, c'est tout du 53,3 d'impôt marginal. Ça va? Une seule héritière conjointe avec un revenu anticipé à la retraite de 60 000 $. Alors, est-ce que c'est intéressant dans un contexte comme ça de cotiser ultimement 55 000 $ au REER de monsieur? Ben oui. Tu es après marchander une cotisation à 53,3, puis ça va sortir de l'autre bord plus tard, quand madame va y toucher, long fleuve tranquille. Étape 4, étape 3, combler le déficit à 60 000, on était encore à 37,12. Donc, économie d'impôt, bien sûr. OK? Alors, comment je l'ai démontré? C'est qu'il y a une déduction dans la déclaration du décédé. Ça lui fait sauver 29 315. C'est tout simplement 53,3 de 55 000. Maintenant, ça, c'est un report d'impôt. Mais comme tu le disais tantôt, il y a un fractionnement aussi. Le taux va être plus bas. Alors, madame va s'imposer éventuellement lorsqu'elle va retirer, mais elle est sur un revenu de retraite de 60 000 et est à 37,12. Alors, ça donne 20 416. Ça fait une économie de 8 999. Ça va? Assez facile à comprendre. Question à choix multiple à l'examen. Je vous mets le même scénario, puis la question, c'est de faire ce geste-là, mais je vous dis que monsieur qui est décédé n'a pas d'enfant mineur puis n'a pas de conjointe. C'est une bonne idée de faire ça. Comprenez? Pas d'enfant mineur, pas de conjoint. Donc, pas de personne avec qui je peux faire un traitement préférentiel du REER. Donc, c'est un in and out. C'est 4,25 cents pour une pièce. C'est stupide, ça ne donne rien. Tu prends ta déduction de 55 000, ça donne une déduction, mais tu viens de le mettre dans le REER, puis tout le REER s'impose dans la même déclaration. Donc, ça donne zéro net. Tu as fait ça pour rien. Ça va? On s'est compris? Alors, ça peut être intéressant de faire ça quand on peut rouler. Puis quand, encore plus, là, je n'ai pas fait l'examen avec un enfant mineur, ça serait spectaculaire. Ça pourrait être spectaculaire. Oui, OK, donc on a parlé de ça. Bon. Honnêtement, là, sur les règles pointues, post-mortem, fiscales, au décès, pas avant le décès, là, puis le testament, mais quand on est post-mortem, c'est pas mal les règles les plus importantes. Mais la cinquième, le cinquième élément, concept que je veux faire ressortir, c'est celle où, possiblement, il y a le plus de choses à faire. Okay? Donc, c'est tout simplement l'idée que lorsqu'on lègue un bien au conjoint survivant, je peux faire des choix. Sinon, je n'ai pas de choix. Sinon, ça va juste voir marchande. Donc, ici, on l'a vu la semaine passée, je peux faire des choix. C'est quoi le choix? C'est laisser aller le roulement, parce que le bien est légué au conjoint souvent, ou je dis non, je ne veux pas le roulement, je veux la juste valeur marchande. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, qui était évidente, no-brainer, c'est que je vais refuser le roulement sur un bien qui est légué au conjoint survivant si la juste valeur marchande est en bas du coup, je vais anticiper la perte. On l'a vu la semaine passée, hein, les obligations du Manitoba, je pense que le coût était de 88, puis la valeur était de 82, on était très heureux d'anticiper la perte de 6 000 en refusant le roulement pour que le 6 000 soit une perte en capital dans la déclaration du décédé que je peux prendre compte tout revenu puis être à 53,3 probablement et non pas être à 27,53. Là. Ça va? Donc, ça, c'est la base du choix. On a parlé d'un autre élément sans trop de conclusion, sans trop conclure. On a viraillé avec cette idée-là. Deuxième idée, c'est que je peux faire un choix quand elle a juste valeur marchande versus le coût pour un bien légué à la conjointe ou au conjoint survivant, quand le bien disposé donne droit à une exonération.
timidement, on l'a abordé la semaine passée. Timidement, on l'a abordé parce qu'on s'est dit, tu sais, là, sa résidence principale qui valait 260 000 puis le coût de 120 000, peut-être qu'on pourrait refuser le roulement à 120 000, faire une disposition à 260 000, ça fait un gain capital dans la déclaration de M. Olivier de 50 000, on a l'exonération. Ça fait zéro, comprenez? Puis, oups, on vient de faire passer le PBA pour madame de 120 000 à juste valeur marchande. OK? 260 000, je crois, de mémoire. OK? Mais c'est un pétard mouillé un petit peu, parce que je vous ai dit, là, quand on va vraiment dans l'analyse détaillée, puis je vous ai dit, allez pas jusque-là pour les fins du cours, je vous ai dit que c'est pas nécessairement avantageux. Ça dépend de la plus-value après ou avant décès, est-ce qu'elle est plus grande ou bref. OK? Ça n'a pas débouché mon histoire. OK? Mais là, je vous promets qu'on va débousser quelque chose tantôt. OK? Parce que ça s'applique aussi sur les actions admissibles de petites entreprises. Les biens de pêche admissibles, puis les biens agricoles admissibles. Et là, on va faire un vrai coup d'éclat, on y arrive. OK? Avant la pause, on va faire un gros coup d'éclat avec ça. Donc, c'est facile de comprendre que je pourrais y aller à juste valeur marchande si j'ai une exonération parce que ça bump, ça majore le PBA pour l'héritier, l'héritière. Ça vaut la peine. À coût nul, je vais augmenter le PBR. Pourquoi pas? En tout cas, sur des actions admissibles de petites entreprises, c'est le cas que c'est intéressant. C'est assurément intéressant. Bon, la troisième, c'est bien, bien rare, mais je vous la raconte très rapidement. C'est imaginer un cas vraiment bizarroïde où l'année du décès, tu n'as pas assez de revenus pour éponger toutes tes pertes du passé. Tu as des vieilles PCN que tu n'as jamais utilisées, un montant très important. Tu as des pertes au camp capital que tu n'as pas pu utiliser. Puis, dans l'année du décès, tu n'as pas assez de revenus pour les utiliser. Bien, déclenche du gain artificiellement par un produit de disposition à juste valeur marchande. Tu augmentes le PBA, c'est tout le temps solidé, puis tu vas pouvoir utiliser tes pertes. Ça, en gros, là, c'est l'histoire de... Je sais pas si vous vous souvenez du scandale, il y en a tellement eu des scandales, mais un des scandales avec Donald Trump, il ne voulait pas présenter, puis il ne veut toujours pas présenter ses déclarations fiscales. C'est le seul président à ne pas avoir montré ses déclarations fiscales depuis 100 ans à peu près. Bien, je sais pas si vous vous souvenez, le New York Times avait décelé que Trump n'avait pas payé d'impôts pendant 18 ans. OK, gros scandale, il n'a pas payé d'impôts. Puis là, hey, non, mais tu lui disais, c'est parce que c'est un grand planificateur financier, fiscal, tout ça. Non, c'est pas plus compliqué que de dire que ses pertes accumulées il y a 18 ans étaient tellement grandes qu'il pouvait les utiliser pour éponger ses revenus pendant 18 ans. C'est juste du in and out comme ça, il n'y a pas de brillant là-dedans. La vraie question, c'est comment tu fais pour maintenir un train de vie comme lui avec des pertes comme ça. Ça, c'est un autre débat, OK? Mais au niveau, alors c'est sûr un peu, je t'ai pas vous montrer, c'est un cas Trump ici, là. Quelqu'un qui aurait plein de pertes du passé, qui n'a jamais pu utiliser, bien, peut-être qu'on devrait déclencher du revenu par une disposition à juste valeur marchande, malgré qu'on pourrait faire le roulement pour éponger ces pertes-là. Mais là, vous n'aurez pas ça à l'examen, là. Ça n'a pas de sens, cette histoire-là, mais conceptuellement, ça pourrait exister. Ça pourrait exister. OK, ça va pour ça? Alors, on passe à l'action. Je vous laisse travailler 5 minutes. Pensez à cette solution-là. Trouvez une voie de passage pour le problème que je vous présente ici. On se donne 5 minutes.
il est possible que pour certains d'entre vous, la réponse soit évidente sans même essayer de calculer. Vous regardez les chiffres, vous avez une compréhension fiscale telle que vous la voyez la réponse. Pour ceux-là, passez à une autre étape, essayez de voir comment on va opérationnaliser la transaction, comment elle va se faire la transaction pour arriver au résultat que vous voyez si clairement. Okay, je suis curieux, on s'en va sur Kahoot. Je vais vous entendre. On a très très bien ça, je vais prendre le temps parce que ça, c'est un vrai coup d'éclat là, qu'on va faire ici. La transaction que je vous présente, elle vaut 206 000 $ d'économie d'impôt. Donc, là, on fait quelque chose qui a une grande importance au niveau fiscal. Ça ne se passe pas souvent, mais quand ça se passe, tu n'as pas le droit de passer à côté de ça. Alors, je vais m'assurer qu'on comprend bien les enjeux puis comment on fonctionne ici. OK. Non, excusez-moi. Alors, si on relit l'information, bien, il y a des petites précisions que je vais vous faire, importantes pour le cours. Alors, on a M. Leblanc qui est décédé en 2016. À son égard, vous obtenez les informations suivantes. Legs universel de ses biens à sa conjointe. Bon, ça veut dire que tous les biens sont légués à une seule personne, la conjointe ici. Parmi les biens, il y a 100 actions d'une société privée OPCO, société privée, important de se rappeler ça. Ces actions sont des actions admissibles de petites entreprises. Donc,
ma position pour le cours, je ne vous demande pas de déceler, d'identifier exactement si c'est des actions admissibles de cette entreprise, quoique je pourrais le faire, mais je ne mettrai pas l'emphase là-dessus. Vous l'avez étudié en fiscal 2. Donc, c'est quoi des actions admissibles de cette entreprise? C'est des actions d'une société privée contrôlée par les Canadiens, dont 90 % des actifs à juste valeur marchande sont utilisés pour générer du revenu d'entreprise exploitée activement. En bref, il n'y a pas trop de liquide là-dedans, puis il n'y a pas trop de placements là, qui dorment. OK? Ça, c'est un des tests. L'autre test, c'est que le 90 % de tests au moment du décès, au moment de la vente, sur une période de 2 ans, il faut toujours être en haut de 50 %. Donc, au moment de la vente, il faut être à 90, mais quand tu regardes 2 ans en arrière, toute cette période-là, il ne faut jamais avoir été en bas de 50. Puis, il faut avoir détenu ces actions-là au moins 2 ans. En gros, c'est ça. OK? Mais pour les fins du cours, je vais vous le dire, c'est des actions admissibles de cette entreprise. Ça veut dire, OK, il y a de la DGC qui s'en vient. OK? En même temps, vous ne voyez pas de la DGC partout. Il n'y en a pas de la DGC sur un terrain. Il n'y en a pas sur un immeuble locatif. Il n'y en a pas sur des actions de société publique. Vous ne voyez-en pas partout. Il faut que vous ayez le message, des actions admissibles de cette entreprise. Ça va pour ça? Je vous dis que M. Leblanc n'a jamais pris sa DGC de 412 000. Ça aussi, je vais faire une précision. D'accord? Il ne faut pas vous mêler avec ça. Quand on parle de DGC, déduction pour gain de capital, je suis convaincu que Nicolas Boivin il a juste employé cette expression-là, puis c'est tout à fait correct. C'est effectivement le terme que vous avez trouvé dans la loi de l'impôt. OK? Moi, c'est pour faire la différence parce que j'ai des objectifs différents avec vous. J'aime mieux pas travailler avec la DGC, avec le terme DGC. J'aime mieux travailler avec l'exonération. C'est la même histoire. Là, je peux après compter deux histoires différentes. Nicolas, quand il vous parle de 412 000, c'est le montant après le 50 % de taux d'inclusion. C'est celui qui va se placer dans la déduction fiscale. Ça va? Moi, quand je vous parle de 824 000, c'est le gain économique à 100 % sur des actions admissibles des entreprises. On parle exactement de la même chose. Moi, je vais parler plus en 100 %. Nicolas, quand il vous le présentait, parlait plus en après le 50 %. Il y a une raison pourquoi je parle à 100 %. C'est parce que c'est une fiction fiscale, l'inclusion à 50 %. Puis moi, quand je vais vous faire le lien entre produits de disposition puis le PBR, la symétrie, j'ai besoin de parler avec l'exonération. J'ai besoin de parler à 100 %. Bref, je vous reparler de ce bout-là, mais vous comprenez que moi, je travaille avec le 824 000, je parle de l'exo, je parle à 100 %. Ça élimine un gain en capital économique de 824 000 ou ça élimine un gain en capital imposable de 412 000. J'ai dit la même affaire. Ça va? OK. En passant, l'exo de 824 000 n'est plus de 824 000. Elle est, elle aussi, indexée à chaque année. Fait que là, j'ai perdu le compte là, un petit peu, là, mais elle est peut-être rendue à 840 000. Mais ça ne change rien au concept dont on se parle. OK? Donc, moi, j'ai marqué 824 000. Ça ne me dérange pas si vous prenez l'exemple de 824 000 ou vous prenez un autre montant plus à jour. Mais il n'a jamais pris sa DGC de 412 000. La juste valeur marchande des actions est de 1,9 million. Le PBR est de 650 000. Donc, quand vous regardez ça, vous dites, OK, il y a un gain capital latent d'1 250 000. Ça va? Ou un gain capital imposable latent de 625 000. Je ne vous mélange pas. Hein? Quand je passe de l'un à l'autre, là, c'est avec 50 % ou pas. Déterminer à l'égard des actions le produit de disposition dans la déclaration du décédé et le PBR pour l'héritière. Donc, c'est une symétrie. Je n'ai pas osé vous faire des choix de réponse avec une affaire qui ne balançait pas. Un produit de disposition à un montant puis un PBR à l'autre montant. C'est tout le temps symétrique. Produit de disposition de l'un devient le PBR de l'autre. L'imposition ne doit pas se passer deux fois sa même pièce. Là. Okay? Donc, il y a une symétrie ici. C'est bien important à parler. OK, donc, comment ça fonctionne cette histoire-là? Alors, j'ai mes actions qui sont détenues par M. Leblanc. M. Leblanc décède. Alors, l'option 1, la première façon de traiter ce dossier-là, ça serait de dire, OK, le bien, il est légué à conjointe. La règle générale sur les biens légués à conjointe, c'est un roulement. Ça finit là, mon raisonnement. Think fast, je vais en roulement. Alors, tu vas en roulement, bien sûr, produit de disposition 150 000, PBR 150 000, 0, 0, 0. Est-ce que je suis impressionné? Non, pas du tout. OK, n'importe qui peut faire ça. C'est la règle générale quand on lègue au conjoint. C'est le roulement. Vous l'avez, la preuve du roulement ici. OK. Option 2. Bien, je comprends qu'il faut absolument prendre l'exo. Il me semble que c'est un naturel. Ça vaut 206 000, cette affaire-là. Il est minuit moins une. Puis même si vous avez toute l'exonération en vous, je vous souhaite tout de l'utiliser un jour, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont l'utiliser ici.
OK? Moi, le premier, je ne l'utiliserai jamais, mon exo. OK? Il faudrait que je sois un entrepreneur à faire ça. Il faudrait que je sois un entrepreneur qui a une PME qui prend de la valeur, etc. OK? Donc, je sens qu'il faut que je prenne l'exo, alors moi, je vais à juste valeur marchande. Parce qu'on me dit que c'est vrai, j'ai un choix, je lègue à ma conjointe, je peux y aller en roulement, je peux y aller à juste valeur marchande. Je veux à juste valeur marchande. 1 900 000 moins 150 000, ça fait 1 250 000. J'ai de l'exo pour 824 000. On va exonérer mon gain jusqu'à hauteur de 824 000 ou 412 000 de DGC. Ça va? Ce qui laisse un gain en capital de 426 000, un gain en capital imposable de 213 000. Ça va? Ça, c'est option 2. Je sens que je ne suis pas trop sûr que c'est une bonne affaire. Je ne suis pas trop sûr si c'est bon l'option 2. Je ne suis pas trop sûr l'option 1. Mais il est clair que si je pouvais trouver une façon d'arriver à l'option 3, c'est clair que c'est elle qui est gagnante, assurément. C'est quoi mon option 3? Produit de disposition 1 474 000, PBR 650 000, O par le plus grand des hasards, 824 000 de gains en capital, EXO A par le plus grand des hasards, 824 000, ça donne zéro. OK? Bon, jusque-là, option 1 puis 3, quand vous regardez juste un côté de l'équation, vous dites, c'est pareil, là, c'est quoi? Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il est tout excité avec cette affaire-là? Bien, je suis tout excité parce que moi, je regarde la fiscalité des deux bords. Là, je n'ai pas déclenché l'impôt d'aucun des deux côtés. Mais regardez, madame, elle se retrouve avec des actions qui ont un PBR de combien? 650 000 versus 1 474 000. Ça, là, faut que ça vous impressionne. Ça, il ne faut pas vous dire, ah, c'est du PBR. T'sais, quand je vous parle d'une économie d'impôt de 206 000, vous trouvez ça excitant? Bien, l'économie d'impôt est là. Elle est juste là. Le fait de dire que madame, quand elle va revendre ses actions dans 5 ans, 4 millions, de dire qu'au lieu d'avoir juste 650 000 qui ne sera pas imposable, ça va être 1 474 000 qui va être imposable parce que le PBR a été majoré. Ça, c'est 206 000. Le fameux 206 000, je n'arrête pas de vous dire, c'est quoi? C'est le 824 000 fois 25 % d'impôt. 824 000, seulement 50 % est imposable, fois 50. Prenez la route que vous voulez. 206 000. Okay? Donc, ça, il faut vraiment que vous y croyez, là. 650 000, 1 474 000, c'est un monde de différence. Je vais aller tellement loin avec ça que je vais vous poser une de mes questions préférées. Okay? Je vais être tellement loin dans l'idée du PBR, puis de mettre une vraie valeur sur le PBR, puis de triper sur le PBR, autant que si je vous parlais d'une économie directe d'impôt. Je vous pose la question suivante. À votre avis, laquelle des deux options est la moins pire? Je vous le dis de même. Laquelle des deux options est la moins pire? Deux ou un, puis pensez-y. Pensez-y. Laquelle des options est la moins pire? Deux ou un? Très bonne question. Très, très bonne question. Moi, je veux que quelqu'un se prononce là-dessus. Qu'est-ce qui est préférable, l'option 2 ou 1? Oui. OK. Exact. Donc, le bout imposable dans 2, là, sur 213 000, c'est de l'anticipation d'impôt. Bien sûr, elle paye de l'impôt versus zéro. OK, elle paye l'impôt. Mais cet impôt-là qui est payé par le décédé, madame, quand elle va mourir, puis elle va disposer de ces actions-là, ça va être les actions, le PBR est d'1 900 000 au lieu de 1 400 000, ça va être récupéré. Ce n'est que dans le temps. Ce n'est qu'une anticipation d'impôt. C'est un jeu de report. Mais l'idée de prendre l'exo de 824 000, vous comprenez que si l'exo a été prise, là, l'exo n'a pas été prise, ça ne revient pas. Ça, c'est de l'économie. Je viens de vous dire que c'est l'affaire la plus dure au monde, utiliser son exonération. Pourquoi que c'est dur, monsieur? Bien, faut que tu sois un entrepreneur, faut que tu prennes des risques, faut que tu prennes il y a de la plus-value dans ta PME. Puis si tout ça s'est réuni, bien, tu fais un gain de 824 000, on va te l'exonérer. C'est pas gagné, cela, là. Donc, moi, ce que je t'apprête à vous dire, je veux que vous compreniez qu'il est minuit moins 8. Moyenne, il est 6 pieds sous terre, lui-là. Si on ne fait pas le choix de déclencher un gain pour prendre l'exonération, c'est fini. Cette exonération-là ne sera plus jamais utilisée pour lui, OK? Puis par la bande, l'effet sur madame. Est-ce que madame va pouvoir prendre son exonération à elle plus tard? Assurément. Mais ce n'est pas parce qu'elle peut le prendre que c'est une bonne idée de ne pas prendre celle de monsieur. Pourquoi pas prendre les deux? Pourquoi pas sauver 412 000 d'impôts plutôt que 206 000 d'impôts, plutôt que zéro si on est complètement endormi et on ne sait même pas qu'il y a de l'exo nulle part. OK, donc, ça, hyper important.
Ça va pour la compréhension que l'option 3, c'est la meilleure, que 2, c'est pas la catastrophe par rapport à la 1. La 1, c'est la catastrophe. Le roulement, c'est la catastrophe ici. Okay? Bon, juste prendre le temps parce qu'on est dedans. C'est bien beau de dire ça, mais comment on va opérationnaliser ça? Comment on va arriver? Moi, je vous le dis que la meilleure option, c'est d'avoir un produit de disposition à 1 474 000. Dans la vraie vie, là, comment je fais pour arriver à un produit de disposition de 1 474 000 dans le cas de M. Leblanc et de sa conjointe suite au décès? Comment je fais ça? Bien, vous retrouvez la société qui vaut 1 900 000, PBA de 150 000. Bien, l'idée, c'est de scinder la transaction en deux. Il y a 65 actions sur 100 que je vais laisser aller à juste valeur marchande, puis il y a 35 actions sur 100 que je vais laisser aller en roulement. Quand je vous disais la semaine passée que le choix de rouler ou de prendre la juste valeur marchande sur les biens légaux à la conjointe, quand je vous disais que c'était bien par bien, vous n'aviez pas idée que c'était à ce point-là bien par bien, hein? Une même action A d'une même société, c'est deux biens différents. Donc, je peux prendre le choix d'y aller à juste valeur marchande sur 65, 35, roulement. Bon, là, j'espère que vous n'êtes pas intrigué par comment il a fait 65, 35. Là, c'est juste une petite règle de trois, là. Vous la voyez? OK, j'ai juste fait une petite règle de trois. J'ai voulu générer un gain de 824 000. Je veux générer un gain qui correspond à l'exo. L'exo, ça s'applique sur du gain. OK? Bon, là, buggez pas trop sur... Ça donne 65,92. Il fallait que j'arrondisse. J'aurais pu arrondir à 66. J'aurais pu arrondir à 65. J'ai arrondi à 65, le jeu d'enchant, parce que je ne voulais pas payer d'impôts. Mais je ne suis pas logique. Si j'étais logique avec mon acétate d'avant, j'aurais aimé mieux arrondir à 66, prendre complètement l'exo, puis quitte à payer un peu d'impôt. Mais là, ça, c'est un détail. Là, si on parle de, des grenailles. Mais c'est juste pour vous montrer pourquoi qu'en bout de ligne, que là, le reste, je ne vous le dis pas, je ne le commande pas. C'est juste des règles de toi. C'est juste des règles de toi, le reste. Alors, j'additionne les deux pour globalement regarder c'est quoi mon produit de disposition. 1 462 500. J'ai un gain capital de 812 500. Je viens de vous le dire, je n'ai pas 824 000 parce que je n'ai pas transgé 65,92 à juste ma chance, j'ai transgé 65. Là. 66, ça aurait été bon, là, j'aurais eu tous vos points, vous auriez été encore mieux que moi. Vous auriez arrondi du bon bord, finalement, en termes de logique. Ça va? Juste peut-être... ouais, non, je pense que... ouais, je vais la dire tout de suite, puis je vous laisse à la pause tout de suite. Est-ce que vous comprenez dans un cas comme ça... J'aime ça en parler, je n'ai pas parlé ce matin, je veux vous le dire quand même. Disons que quand M. Leblanc a constitué cette société par action, il était voir un conseiller juridique qui sortait des bancs d'école et qui n'était pas expérimenté, un avocat en droit juridique. Puis, l'avocat, à ce moment-là, lui a expliqué que, bien, vu que tu es le seul actionnaire, c'est ta PME, c'est ta OPCO, c'est pas important que tu ailles une action A ou que tu en ailles 100 ou que tu en ailles 1000 ou que tu en ailles 10 000. OK? Fait que, on va en émettre juste une. Ce que vous comprenez, ce que ça crée comme problématique si tu en émets juste une, c'est que là, tu es obligé de vraiment la choisir. Là. Tu fais-tu le roulement avec ou tu vas à juste vers la marchande? On vient de le dire, on irait à juste vers la marchande, quitte à payer de l'impôt. Mais ce ne serait pas l'idéal, bien sûr. Fait que retenez juste, ça, c'est un exemple que, globalement, ça ne coûte pas plus cher. Là. Émettez-en plus que pas assez des actions. Ça ne change rien dans le pourcentage, c'est 100 %, mais mettez pas juste une action. Mettez-en 100 000 pour avoir de la gradation puis de la souplesse. OK, on se prend une pause de 15 minutes puis on revient... après.